on va vous présenter de toute façon tous les maillots de bain. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez de tous ceux qu'on vous a présenté. Ce maillot de bain, je pense que c'est plus qu'une validation. Le haut, bah, il est vraiment en triangle, donc je trouve que ça fait tout son effet. C'est trop chou, ça c'est un sort de kimono. Alors lui, j'ai eu un coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je le prenne. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allo tout le monde, c'est Enzo et Loana. On espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing spéciale maillot de bain pour l'été qui arrive. Ça paraît pas mais on va très très vite arriver en été. Alors nous on est parti en vacances en Espagne. Ouais, d'où le fait qu'on a quand même pas mal bronzé. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas collaboré avec cette marque avant de partir, ouais. Parce que moi j'avais pas de maillot de bain. Donc là du coup on est content, on a fait un large choix de maillot de bain sur le site, ouais. Et ça fait très longtemps que je bosse avec cette marque. Ça doit faire au moins 3-4 ans. J'adore cette marque parce qu'ils vendent grave du choix. Et surtout il y a pour toutes les tailles. Ça va jusqu'au 4XL. Donc mesdames, si vous faites des grandes tailles, vous pouvez aller les yeux fermés sur Cupsh. On va tout vous montrer. La livraison est quand même assez rapide, hein, je crois une semaine, quelque chose comme ça. Et en plus ils vendent des bikinis, ils vendent des maillots de bain une pièce. Ils vendent aussi des sortes de kimonos, des vêtements, ouais. Il y a plein de choses. Et en plus vous pouvez aussi acheter le haut séparé du bas. Et en plus sur le site il y a un code promo pour vous de moins 15% les amis. Le code il est sur l'écran, c'est YOLO15. Vous avez moins 15% des 50€ d'achat. Donc profitez-en pour l'été qui approche. Et tous les liens sont en barre d'information. Donc bon, n'hésitez pas à aller checker ça. Alors là du coup c'est un unboxing. On a rien ouvert, j'ai fait la sélection il y a une semaine. Allez, on veut te parler, on ouvre. Alors ici je pense que c'est un haut de maillot de bain. Bien sûr sur leur petit packaging c'est écrit Cupsh. Bah je crois que c'est pour moi. Vous voyez j'ai pris le bas séparé du haut. Il est incroyable, j'ai pris taille M. Il faut vraiment prendre sa taille, hein. Et franchement il est trop beau, vous allez voir il y a des strass. Ça fait tout son charme. J'aime pas, ça me saoule les papiers. On devrait pas en mettre, c'est relou. Puis alors petite étiquette ici, voici le maillot de bain. Trop trop beau, ouais. C'est pas un string, donc ça j'aime bien. Ici on a des petits strass qui fait tout son charme clairement du maillot de bain. Ah, maillot de bain est très simple. J'avoue en fait. Qu'ils sont vachement sympas, hein. Vous le voyez ici, de couleur dorée. Il y a un peu de rembourrage, on peut retirer, moi je retire tout le temps. Mais ouais. En tout cas, votre premier maillot de bain, il est très beau. On va vous présenter de toute façon tous les maillots de bain. Dites-moi en commentaire lequel vous préférez de tous ceux qu'on vous a présentés. Ce maillot de bain, je pense que c'est plus qu'une validation. Le haut, il est trop 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 beau. Franchement, les strass, ils font tout leur effet. Il sert bien, il est super confortable, vraiment. Le bas, pareil, très joli. Ici, on a les petits strass. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'adore. Hein. L'arrière, ça donne comme ça, donc vous voyez, ça rentre pas dans les fesses et tout. Non, franchement, j'adore. Ça c'est pour toi ou pour moi, je ne sais plus. Je ne sais pas, sachant que j'ai pris deux articles pour ma mère, donc c'est peut-être pour ma mère aussi. Il y a la fête des mères au-dessus, donc moi j'ai pris ça pour la fête des mères. Je trouve que c'est un bon idée cadeau. Oh, c'est trop chou. Ça c'est un sort de kimono. Ah ouais, sympa. Mais moi j'adore les kimonos pour mettre au-dessus du maillot de bain. Parce que des fois vous savez, on a la plage et on a pas trop envie d'être en maillot de bain comme ça, se balader et tout. Donc on met un petit truc au-dessus, ouais. Ça fait très plage, au moins c'est un peu couverte. Pas trop dénudée. Tu peux bien le refermer et tout, il est un peu transparent. Les filles, j'adore ce kimono. Franchement, trop bien pour l'été. Vous voyez, les manches, elles sont loose. Il y a des petits froufrous. Le détail est trop beau. On peut resserrer au niveau de la taille. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez bien. C'est un peu transparent, mais pas trop. Il est pas trop long, pas trop court. Moi, je trouve qu'il est parfait. Hein. Après, vous pouvez bien sûr desserrer. Comme ça, vous restez comme ça en mode gilet. Hyper cool. Ça, c'est pour ma mère. Parce que j'ai pris taille L. Taille L, elle fait plus taille L. En plus, maman, elle fait taille M, je crois. Bon, je pense. Je sais pas. Ça, ma mère, elle va adorer. Bon, c'est pas pour tous les styles. En fait, elle adore les combis. Et du coup, je lui ai pris une petite combi comme ça, manche courte pour l'été, de couleur un peu bleu marine, effectivement. Ici, c'est un peu croisé au niveau du devant, c'est un peu resserré au niveau de la taille. Et voilà, elle est très longue et ça fait pantalon. J'adore. Et c'est resserré au niveau des chevilles. Très sympa. Donc, je vais lui offrir ça pour la fête de mère, elle sera trop contente. Elle aime trop ça, c'est trop son délire. Ouais. Et en plus, vous savez, pour l'été, c'est pas trop lourd. C'est très léger, c'est très fluide. C'est fluide, c'est confortable. C'est pas l'idée. Ouais, c'est pas l'idée. Alors, je pense que c'est pour moi parce que c'est du. Du rose. Loana adore le rose, hein. Si vous nous suivez, vous savez que c'est sa couleur préférée. Il est beau. Ah non, j'adore, c'est kawaii, très girly. Ah ça j'adore. Ah oui. Voilà à quoi il ressemble le haut devant. Il y a une fleur au milieu. Je l'adore. Alors moi j'adore la forme de la poitrine parce qu'en bas ça fait ça, ça se lève. Donc ça met ta poitrine grave en valeur. Waouh, il est incroyable. Descends, j'ai hâte que tu le portes. Et il n'y a aucune armature. Ouais, donc c'est super confortable. Le bas du coup il est comme ça. Et vous voyez, il y a des sortes de petits traits, donc ça fait un petit effet. Pareil, c'est une sorte de culotte élastique, donc hyper confort. Non, franchement j'ai hâte que tu le testes. Oui. C'est un beau rose, hein. J'ai trop hâte, c'est un rose bonbon. Ouais, du coup pour le petit maillot de bain, ici c'est le haut, trop beau. Et ici nous avons le bas. Ensuite, le prochain maillot de bain. J'ai eu un petit coup de cœur dessus quand je l'ai vu sur le site. Enfin, vous allez voir pourquoi.
couleur beige. Alors moi il faut savoir que je porte énormément de vêtements beige. Donc ce maillot de bain c'était pour moi un indispensable. Au niveau du haut il monte bien. Donc comment ça allonge la silhouette. Moi c'est vraiment cet effet que j'adore. Et moi ce que j'aime bien c'est que les bretelles sont très fines. Donc du coup ça encombre pas le corps. Ça alourdit pas la silhouette. Derrière c'est des bretelles bah, voilà, très très fines qui sont resserrables. Ici vous pouvez, c'est comme un soutien-gorge en fait. Ici vous pouvez retirer les petites bretelles. Alors le bas il est très léopard, on aime beaucoup. Taille haute, donc pour les filles qui aiment pas trop qu'on voit le petit bidou et tout. Bon moi il y a des tailles hautes aussi sur le site. Est-ce que vous voyez, regardez là, il y a même au milieu là, on voit un sort de triangle, vous voyez. Et ça fait bien tu vois, parce que du coup sous tout mon cul ça fait quand même légèrement ça. C'est des détails mais pour moi c'est super important. Et le beige, ouais, vous voyez quand j'ai bronzé c'est un truc de fou hein. Et c'est vrai qu'on a bien bronzé, là je le vois à la caméra, ouais. On a vraiment bien bronzé, je suis contente hein. Alors moi la couleur j'adore, le bas il est taille basse. Donc je trouve que c'est super sympa pour vous savez cacher un peu le bidou ou quoi. Le haut bah, il est vraiment en triangle, donc je trouve que ça fait tout son effet. D'ailleurs c'est comme ça. Franchement ça passe partout, ça va à tout style de corps, c'est cool hein. Alors ensuite ça c'est pour toi Loulou. Ah oui je range. Donna elle adore ces couleurs, c'est très beau hein. Alors lui j'ai eu un coup de cœur. Quand je l'ai vu je me suis dit il faut que je le prenne. T'as un orange pastel. Ici les bretelles en fait tu les mets en haut comme ça tu vois. Comme ça, ça fait l'effet triangle, donc du coup ça monte ta poitrine. Et derrière tu attaches avec une fine ficelle que tu peux même tourner autour de ton ventre. Et là le bas on retrouve également les ficelles qu'on peut bien sûr desserrer ou resserrer en fonction si tu veux qu'elle soit de serrer ou de desserrer. Pareil il est élastique donc c'est super confortable. C'est pas trop une culotte et pas trop un string, c'est entre les deux. Non franchement c'est beau, j'ai hâte que tu le testes aussi. Trop beau le haut. Le bas aussi très très beau. Pour moi je prends un sort de kimono. Ok. Ah ça j'en avais aussi pris un. Ah bah c'est peut-être pour toi alors. Il a l'air beau. Je crois que c'est pour moi. Je vais vous me présenter du coup hein. C'est pas Yolande qui doit le présenter. Du coup ici nous avons une robe. Ah c'est oui, une robe de bain. Regardez il y a des sorts de pompons. C'est mignon, c'est rare que tu prends ce style là. Ah mais non il n'y a pas de pompons, bah ils viennent vous. Ah si ils sont là, regardez voilà. Je les ai perdus en route. Donc vraiment très très ange. Vous voyez ça fait style très ange. Ah ouais c'est vraiment une longue robe quoi. Donc tu mets tout mal voilà, sur la plage. Et des petites claquettes. Ouais vraiment là. Ouais. Moi je me vois bien dans le sud avec ça. Ouais c'est vrai. Je suis tranquille. Et la qualité les gars, incroyable. On ne va pas voir à travers parce qu'il y a une sorte de... Un doubleur. Doublant. Mmh. J'adore. Ok on passe sur la petite robe de Loulou que c'est moi qui l'a testée parce que je voulais trop tester. Elle est du coup très très longue comme vous pouvez le remarquer. Faites pas gaffe au bazar à droite et à gauche. En tout cas elle est super jolie, elle est volante. T'es confortable dedans. Ici elle est petit froufrou. Et lui ça se voit super bien. Ah ouais. Ah ouais j'adore. T'es ange. Ok bon écoute c'est bon à savoir. Sachant que je porte jamais ça les amis. Dites moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas vous la voyez porter, elle est sympa. J'ai pris ça taille S. Qu'est-ce que c'est, je me rappelle plus. Ouh là là c'est une robe hein. Alors ouais bon je me rappelle plus. Mais pour la plage. De couleur vert pâle. C'est pas mon truc préféré je vous avoue. Ici des manches courtes un peu volant. Sur le devant c'est un peu croisé. Un peu resserré ici. Et c'est une robe longue, ouais. C'est pas un coup de cœur à voir. C'est pas notre style en fait. C'est plus surtout ça. Bah ouais non mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Pour moi. Non c'est taille S donc c'est pour moi. Bon écoutez je vais tester. Je vous dirai vraiment ce que j'en pense, mais en tout cas là bon, de ouais, là je peux pas trop juger je vous offre. Et il y a une petite ceinture qui est rangée avec, donc tu pourrais remonter un peu aussi. Ouais. Ok, I don't know si j'aime parce qu'en fait je trouve déjà que c'est trop refermé, t'aimes pas? T'aimes bien? Ouais. Je trouve que c'est un peu trop renfermé, vous savez, au niveau du haut en fait. Il n'y a pas de point, mais c'est cousu. J'aurais bien aimé que ce soit décousu pour faire un effet, je sais pas, un peu plus ample et tout. Les manches elles sont bien loose, mais le truc c'est quoi? Elle est très longue. Oh, je sais pas. C'est beau. Ouais ouais c'est juste que je suis pas habituée. Bon, en tout cas vous voyez, bon ça taille bien au niveau de la taille. On peut mettre la ceinture, là je l'ai pas mise. Mais voilà le délire. Et le dernier article c'est pour notre mère. Pour la fête des mères. Alors ma mère elle adore les mailles de bain une pièce. Et elle a un style bah, qui revient, c'est toujours le même style en fait qu'elle porte. Ouais fleuri. Voilà fleuri et c'est un style bon comme ça, oh, j'adore. Alors je me rappelle l'année dernière justement on avait collaboré avec Cups. Et je lui avais aussi offert ce style de mailles de bain qu'elle met tous les étés. Donc du coup c'est exactement le même style en fait. C'est ici elle met autour, elle sert bien. En plus ma mère a une grosse poitrine donc ça lui ira bien. Et voilà c'est une pièce. Donc c'est très fleuri, c'est une bonne qualité. C'est quand même assez épais, il y a un tout petit peu de rembourrage. C'est coloré, toutes les couleurs multicolores, on adore, on boule. Et c'est qualité, qualité. Vous avez vu notre petite sélection Cups, n'oubliez pas notre code promo c'est YOLO15. Vous avez moins 15% des 50€ d'achat. Et tous les liens sont en barre d'infos donc faites-vous plaisir les amis. Si vous avez la moindre question dites-le nous. Et surtout dites-nous en commentaire lequel de votre bain vous avez préféré. En tout cas nous on vous souhaite de passer une belle semaine. On vous fait plein de bisous, on vous dit à très vite. Ciao, ciao.